Salut, vous avez passé un bon week-end, moi aussi, et je suis vraiment contente de vous retrouver sur M6 et dans Laser. Hamburger, pain bagnat, rock'n'roll, etc. Tout un programme taillé dans le rock, évidemment, et c'est un bouquin signé Dick Rivers. Dick, c'est mon invité aujourd'hui, c'est ma guest, c'est mon pote. Je vous le prête pendant une heure et demie. Dick, tu vas bien? Et toi? Ça va. Je vois, tu es ravissant, tu es splendide. On ne s'est pas donné le mot, mais absolument. Bon. On a du rouge tous les deux, c'est parfait. Alors, j'ai voulu démarrer sur ce bouquin, parce qu'il y a quand même 50 000 exemplaires vendus à ce jour. Oui, à peu près, oui. C'est toute une tranche de vie qui démarre dans les petites ruelles sombres et fraîches du Vieux-Nice, et qui arrive à nos jours. Non, pas tout à fait à nos jours. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre une partie de ma vie, celle qui me semblait la plus importante et la plus intéressante, c'est-à-dire, je ne dis pas que ce que je fais aujourd'hui n'est pas intéressant, loin de là, puisque je ne suis pas du tout un passéiste ni un nostalgique, et que j'ai mis beaucoup de temps avant de donner mon OK à Michel Lafon, parce que justement, je ne voulais pas, j'en avais marre de tout ce côté, notre époque, qu'est-ce que c'était bien, les années 60, etc. Moi, ce n'est pas ça. C'est une partie de ma vie qui est vraie, a été importante, parce que c'est un petit peu le début de tout en France. Et j'ai eu la chance de naître dans une ville formidable qui s'appelait Nice et qui avait surtout un côté formidable, c'était qu'elle était à côté d'une base américaine qui s'appelait Villefranche-sur-Mer. Et j'ai eu, par rapport à d'autres petits garçons français, peut-être une chance formidable, c'est que j'ai côtoyé très très vite les Américains et que j'ai connu cette musique peut-être un petit peu avant les autres et plus certainement avant la capitale. Ce qui m'a permis, dans la fin des années 50, de créer un groupe qui allait s'appeler un peu plus tard les Chats Sauvages, et en 1961, de passer directement de la bicyclette à la Cadillac. Tu avais quel âge ? 15 ans. 15 ans. 15 ans, puisque je suis dans mes 25 ans de carrière. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Et c'est vrai que je me suis aperçu que j'avais quand même traversé, vécu et surtout été un des acteurs principaux d'une décennie absolument extraordinaire où tout est arrivé, quoi. Je veux dire, si des émissions comme aujourd'hui existent, c'est un petit peu grâce aux années 60. Bien sûr. Là, c'est pas du tout du passéisme, c'est tout simplement parce qu'il y a eu le premier transistor qui a été le premier refuge des gosses quand ils sortaient de l'école et qu'ils pouvaient écouter ça privé chez eux, qui a eu, disons, la première émission pour jeunes qui s'appelait Salut les copains. Salut les copains. Qui a eu, je sais pas moi, le premier homme sur la lune. Salut les copains, c'est une chanson qui a été écrite par Gilbert Bécaud, si je ne m'abuse. Absolument, et Bécaud a écrit deux chansons qui ont été des titres d'émissions célèbres dans le début des années 60. C'était donc Salut les copains qui avait donné donc le titre à l'émission de Daniel Philippaki et Franck Thénault, et aussi H tendre et tête de bois. Alors, je vais faire un truc que je fais rarement à l'écran. Je vais lire quelques lignes que tu as dédiées à ton fils, et on enchaîne tout.